Quatrième festival de folklore international du pays d'Ambert, 16, 17, 18 juillet 1992. Avec l'aimable patronage du parc Livradois-Forez, de la mairie d'Ambert, du conseil général et du conseil régional d'Auvergne et de nombreux sponsors dont voici les principaux. Usaï Champignon à Saint-Alyre-d'Arlan collecte et commercialise toutes les catégories de champignons, sauvages, frais ou séchés, pour la vente directe ou l'exportation. Usaï Champignon possède un parc important de camions frigorifiques spécialement aménagés pour le transport toute destination. Cassée, pensez rachat pour la remplacer. Rachat, c'est aussi des glaces, des miroirs, des aménagements de salle de bain. Rachat, zone industrielle Lamasse à Ambert. Fougerouze, ce sont deux magasins à Ambert. Déclic, 4 boulevard Sully et Fougerouze place Saint-Jean. Grand choix de vêtements, hommes, femmes et enfants. Des prix, la mode, l'accueil. Déclic Fougerouze à Ambert vous attend. Pour le changement de vos pneumatiques, rendez-vous chez Arcis Pneus, équilibrage, amortisseur, vérification du train avant, Arcis Pneus, avenue de la Dore à Ambert, véhicule de tourisme et utilitaire. Maisonneuve, c'est une agence de voyage pour la France et l'étranger, dont les bureaux sont avenue du 11 novembre, les garages zone industrielle Lamasse. C'est aussi le transport de fret en tout genre, l'exploitation de lignes voyageurs régulières, la correspondance Cernam et les transports scolaires et ouvriers. Supermarché Ambertois. Stock vous propose un grand choix d'alimentation générale allant de la baguette de pain au poisson frais. Stock, c'est aussi un important rayon de primeurs et un étal de boucherie très fréquenté. Chez Stock, un client c'est sacré. De nombreux commerçants ambertois ont décoré leur vitrine en choisissant pour thème l'un des pays participant à ce quatrième festival de folklore. Magasin Timonier Saint-Gère, Madame Chalut Michel, boulevard Henri IV, a choisi l'Indonésie.
Magasin Charme et Beauté, Madame Franco, avenue Foch, a choisi le Mexique. Monsieur Fabrice Toiteau, 4 avenue du 11 novembre, a choisi le Mexique. Magasin Le Trèfle Vert, Madame Dépaillé, place du Pantel, a choisi l'Indonésie. Salon de coiffure, Paulette et Isabelle, 14 boulevard Sully, ont choisi la Turquie. Boutique La Bagage, Madame Bermond, place du Pantel, a choisi la Colombie. Rue de la République a choisi le Sénégal. Magasin Bayard Newman Cacharel, Monsieur Jean Perron, rue de la République, a choisi la Colombie. Madame Yves Lanaré, 11 boulevard Sully, a choisi le Sénégal. Monsieur Merli Eric, place de l'Hôtel de Ville, a choisi le Mexique. Chaussures, rue de la Filatrie, a choisi le Sénégal. Arbelle Chaussures, Monsieur Grange Mardi, rue de la Filatrie, a choisi l'Espagne.
l'entreprise générale d'électricité, établissement J. Fournay, 20 place Saint-Jean, on choisit l'Auvergne. Thank you.
Au nom du groupe folklorique Les Librairies d'Enfer, je vous remercie d'être venus si nombreux nous applaudir. Applaudir les groupes qui vont vous faire éclater de joie, je l'espère, pendant ces trois soirées. Et je déclare officiellement, au nom du groupe Librairies d'Enfer, le 4e festival international de folklore du pays d'Ambert ouvert. Merci d'être venus si nombreux. Ouverture du festival de folklore par le groupe Livradois d'Enfer. Thank you.
Ensemble Sinistra. Folklore des Asturies.
chant et de danse, Bistrina. Thank you.
Thank you.
Défilé en ville le 17 juillet. De la deuxième journée, le groupe bulgare Silistra participe à l'animation dans les rues de la ville. Thank you.
notre plus grand plaisir. Merci.
Sénégal, ballet folklorique, Zarwaku, Kofan. Thank you.
Groupe Danzas Folkloricas del Yumbo de Colombie. Thank you.
a uno le gusta, ¿qué? Se lo puede levantar. Que para conseguir marido lo tienes que comprar. Animation le 18 juillet sous l'hôtel de ville par le groupe indonésien Jakarta. Thank you.
par les municipalités d'Ambert, des groupes mexicains, bretons, indonésiens, animant la dernière journée du festival. Je crois que la vie en mer est aussi.
Bretagne, cercle celtique, Armor, Argoa.
mardi, ces jeunes nous viennent de l'université de Jakarta. Thank you.
Danse sacrée du Livradois d'Orsère, la sabotière.
Vous avez assisté à une étonnante prestation du Livradois d'Anser qui a mis tout son cœur et son dynamisme dans ce spectacle.
De rubans de couleur que nous allons nous séparer en espérant que vous aurez apprécié à sa juste valeur ce 4e festival international de folklore. Nous vous remercions et vous disons à l'année prochaine. Quel festival nous apprécions. Eh bien écoutez, je n'ai pas voulu deux premiers soirs, mais celui-ci était vraiment merveilleux. Et je crois que tout le public, aujourd'hui, doit un grand merci aux organisateurs, bien sûr, que vous les avez appelés, mais aussi aux groupes qui se sont produits, ils ont été vraiment merveilleux. Et puis, remarquable que ce soit des Indonésiennes, que ce soit des Mexicaines, je crois qu'ils nous ont fait un spectacle que l'on oubliera bien entendu pour en trouver encore un meilleur l'année prochaine, parce que chaque fois c'est une montée en puissance. Je me demande maintenant où les organisateurs vont aller pour faire mieux. Parce que vraiment, aujourd'hui c'est un spectacle sensationnel, et en tant que maire d'Anvers, je vous remercie tous, mais comme personne ne fait encore, je tiens à remercier aussi le présentateur et Aria, les gens qui se sont occupés de la régie, parce que ces gens-là ont aidé. Je crois que c'est un coup et vous l'avez parfaitement réussi. Merci et bravo à tous. Merci monsieur le maire. Je crois qu'on va laisser le mot de la fin au président, monsieur Jacques-Édouard. Oui, mais je n'ai pas grand chose à ajouter que je pourrais ajouter. C'est le plaisir qu'on a eu à admirer tous ces groupes pendant 3 jours, le plaisir qu'on a eu à voir de ce public et qui nous a soutenus. À bientôt, bonne nuit, à la semaine prochaine.